Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Starbound V1.1.1. Donc on descend sur le planète de type Scorch. Je n'ai toujours pas de nouvelles de Free Jam, hein, de Chucklefish, pardon. Excusez-moi, c'est l'habitude. bon après on est lundi matin de bonne heure, donc je me dis que j'ai encore le temps. J'ai l'impression que la lumière. Ah merde, j'avais pas vu le monstre seul. Oh, et tu vas te calmer. Hop, voilà. Après, oui, voilà, on est lundi matin très très tôt. Je me doute que pour l'instant, je vais pas en recevoir. Bonjour. Cécile, oh, t'es... Non, je suis pas Cécile. Je ressemble à Cécile. Eh bien, écoute, je ressemble à Cécile. Là, autre chose. Là, on a un manipulateur... non, mais comment ils appellent ça déjà? Parce que vu que je les utilise plus, donc je les prends quand même, mais... Manipulateur module, c'est ça. Ok. Donc on va refaire de l'exploration en attendant, je pense, hein, tout simplement. Vous connaissez le principe sur ces trucs-là. Si vous voulez pas vous embêter, il n'y a pas 36 000 moyens. Vous laissez couler, littéralement. Hop, je suis encore pris dedans. Voilà, hop. Comme ça, vous pouvez monter tranquillement. Vous cassez une fenêtre, si on peut appeler ça une fenêtre. Et vous êtes tout bon. Oh, encore toi. Dégage. Ça vaut mieux. Hop, désolé. Ok, bon. Crac. J'ai plus ma boule. J'ai plus la place. Si, c'est bon. C'est parce que j'avais plus d'énergie. Ok. Tout simplement. Yo, alors toi, t'es pas agressif. Faudra que je m'en souvienne. Ah, bla. Lui, par contre, il va forcément l'être. Bah, surprenamment, j'ai pas l'impression. Boum. Ok. Je t'ai vu. Alors, un petit coup de soin. Ah bah merde, j'ai pas eu le temps de lancer mon... Voilà. Non, je récupère encore un peu de soin. Non, c'est pas grave. Oups. Et du coup, je l'ai... Ah, je le brûle complètement, en plus, hein, c'est... Je fais pas mine. Hop, c'est vraiment sympa comme fireball ça. Deadbeat Straps Trousers. D'accord, ok, je vais prendre ça si tu veux. Intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur cette planète? Un monstre. Deux monstres. Trois monstres. Ok. Toujours pas de nouvelles de la mise à jour avec le terraforming, hein, qui va apporter quand même apparemment plein de contenu d'après ce que j'ai pu en voir. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle en soi. Hein. Hop, y'a rien là-dedans. Ça fait quoi de vivre avec des rats, les gens? Ah, est-ce qu'on a de la chance? Oui! Oui, oui, oui! Bon, pourquoi pas. Je vous connais tellement bien. Hop, voilà. Quelque chose par là? Il y a une cave en dessous. Il y a une cave en dessous. Ça m'intrigue. Est-ce qu'il y a quelque chose ou est-ce que c'est... Non, apparemment il n'y a rien du tout dedans. Ok. N'oublions pas qu'on peut aussi tout simplement. Hop. Bah dis donc, vous êtes agressif vous. Vous êtes déjà sorti. Hop. Mais vous êtes déjà mort. C'est une phrase... Ah non, c'est une plante, d'accord. C'est une phrase d'Anzo, vous ne le savez pas, mais vous êtes déjà mort. C'est une phrase de Anzo, mais c'est aussi une phrase de Ken le survivant. Ken survivant de l'enf... Merci. Hop, tu comptes mourir bientôt ou... Voilà. J'ai à préciser qu'il y a un monstre sur le... Ok, on a un petit coffre. Dans ce petit coffre, on a ça, qui est nul. Hop, voilà, je le repose. J'ai l'impression qu'il y a des petits lags dans le jeu, c'est rigolo. Ils n'étaient pas là avant, ces trucs-là.
Hop, on fait un petit clic droit pour se soigner. Je vois que niveau bouffe, on n'est pas parfait. J'ai cuit quelques petites choses avant de partir. Dont ces champignons. Je sais pas ce qu'ils rapportent un peu plus de santé, apparemment. Niveau bouffe, c'est pas la joie. Ouais, bonjour. Non, au revoir. Ah, d'accord, il y avait une plaque. Olé! D'accord, je crois que c'était une mine, moi, perso. Mais en fait, non, c'est un truc, c'est juste un explosif basique. Qui explose lorsqu'on passe la ligne. Ok, pourquoi pas. Hop, je l'ai fait sans exploser le truc. Aïe, what? T'es sérieux, bonhomme, là? Voilà. Ah merde, t'as buté l'autre par contre, toi. Hop là, c'est fini. Allez, on passe. Voilà, et de 1. Ah oui, là je peux pas la passer. Hop, faut que je la passe là. Et qu'elle repasse. Et de 2, parfait. Je suis le meilleur. Ne le niez pas, je suis juste le meilleur, chers amis. Ne le niez pas, arrêtez de le nier. C'est pas sympa. Je vous croyais plus sympa que ça. Ok, qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre? Du caca. Et avec ce caca, je prendrai un peu plus de caca et un supplément de caca, s'il vous plaît. Le caca, c'est bon. N'en mangez pas. Caca, c'est bon, c'est pas sûr. Hein. Enfin, ça dépend pour qui, quoi. Si vous êtes une mouche... Je pensais pas que tu m'agresserais. Qu'est-ce que c'est? Ouh. Des épaulettes. Ah, c'est moche. C'est dommage. Il y avait des épaulettes. Moi, j'aime bien les épaulettes. J'en rappelle, au tout début, dans WoW, fallait attendre le niveau 20 pour avoir des épaulettes. Et maintenant, ils te les offrent dès le niveau 2 ou 3, je crois, un truc comme ça. Débile. Enfin bon. Mais c'était rigolo, t'attendais d'avoir tes épaulettes parce que c'était une étape. Puis après, tu devais attendre le niveau 40 quand t'étais paladin pour avoir tes épaulettes en plaque. Oh là là. C'était cool. Mais maintenant, faut que les MMO, ça aille très très vite. Donc du coup, tu peux carrément te payer ton personnage. Niveau 4, enfin niveau 100 maintenant, j'imagine. Oh là là. Le jour où le jeu deviendra un buy to play, je n'aurai plus de vie sociale. Un bulle bizarre. Juste une espèce de bulle bizarre, c'est pour ça. Yo. Dommage. Fallait vraiment pas que tu ressortes. Par contre, c'est cool, ça m'éclaire et tout. Je me sens l'âme d'un Gandalf. Faudrait qu'elle tienne plus longtemps, en fait, et tout. Mais bon, ça, j'imagine qu'il y aura plein de choses qui vont s'améliorer. Hein? Moi qui espérais qu'elle me pète à la gueule... Je m'attendais à mieux, je reconnais. Je m'attendais à beaucoup mieux. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une carve, un camp humain ou juste un petit camp? Un camp humain. Oh, ça fait longtemps. Bon, est-ce qu'il va y avoir des gens avec des quéquettes? Enfin, des gens avec des caquettes, il va sûrement y en avoir, mais... Ah, j'ai vu quelqu'un... qui était prêt à me vendre des choses. Non? C'était le truc? D'accord, c'était le truc. Ok, dommage. Vous avez pas de caquettes à me donner? Parce que je vais vous mettre quand même un drapeau. Hop. Par contre, je me rappelle plus comment j'avais fait le... Là, je suis en mage. Camp humain. Je referai le design, entre guillemets, le triage dans le nom, vous savez. Le moment venu. Vous pourriez revenir. Voilà. Ah, mais en plus, il est gigantesque. Alors, j'ai le nez qui me chatouille. Ce qui est assez énervant. Ce qui est inhérent. Ah, il y a quelqu'un dans les chiottes. Non mais où t'as cru? Il vient emmerder quelqu'un dans les chiottes. Alors je suis désolé, ça me chatouille de partout. C'est parce que je suis descendu, j'ai cru qu'il y avait le paquet qui était arrivé. Vous savez, le joystick. Et finalement,
Ça n'était pas le joystick, c'était quelqu'un qui venait pour faire des réparations parce qu'il avait envie d'être payé pour un truc. Bref, des réparations surtout qui marchaient très très bien. Donc bon, pauvre homme, je l'ai pas engagé. Je vais pas réparer un truc qui marche, et enfin, je devrais. Ah, on a des gens qui sont pas contents. Écoutez ça, pas contents, pas contents. Ça tombe bien, quelque part je vais avoir un truc qui s'appelle marqué camp humain. On va aller chercher des gens. On va les récupérer sous notre équipement. Fait chier. Vous voyez, c'est exactement pour ce genre de situation que je ne fais pas de comment de partie hardcore. Je ne fais plus de partie hardcore. Parce que partie hardcore, ça veut dire quand ça m'arrive, je meurs. Je meurs. Tiens, dégage. Allez, on y est. Hop. Il y a un marchand qui a pop. Ok. Camo helmet. D'accord. Ok, bon bah j'ai tout récupéré, c'est ce qui compte. C'est la seule chose qui compte. Bon. Ah bah forcément, vous avez disparu comme des lâches. Oui, et ça je m'en doute. Ça je sais que vous savez faire. Bon, c'est pas grave. On a été rect, une fois de plus. Hop. Donc oui, je sais pas trop non plus ce qui va... Oh, merde. Aïe. Je sais pas trop non plus ce qu'il va y avoir, donc dans... Oh là là, mais je me fais agresser de partout. Ils rentrent dans les cavernes maintenant les oiseaux. Ce qu'il va y avoir dans les prochaines mises à jour exactement en termes de contenu additionnel. On a pu voir apparemment qu'il va y avoir des micro-donjons supplémentaires, des side quests supplémentaires. Mais aussi donc forcément des fonctionnalités supplémentaires telles que le terraforming dont on a pu aborder le sujet il y a peu de temps. La cape noire. Est-ce qu'elle fait vraiment l'effet? Est-ce que je peux la recolorier? Parce que si je peux la colorer en rouge. Ouais, mais ça va pas faire un effet rouge dessus. Qui sait? Qui sait, qui sait? Hop. Hop. Et donc, pour un biome censé être très très black, je le trouve un peu clair, hein, surtout à la lueur du jour. Ah non, c'est des champignons. Je crois que c'était une espèce de caillou bizarre. Ah, là par contre, ça j'aime beaucoup moins. Oh là 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 là, je vais encore me choper 36 000 trucs de ce genre. Hop. Je sais plus si je l'ai, je dois sûrement l'avoir en entier, mais c'est pas grave. Aïe, ah mais non, mais... Oula, j'ai eu peur. J'ai eu peur qu'il me one-shot ou presque. J'ai toujours peur, je le reconnais. Je suis quelqu'un d'honnête, moi, monsieur. Ça régène pas tant que ça, hein. Pour ce que ça me coûte. Bon. C'est l'heure du duel. C'est le mien qui a pris des dégâts ou c'est lui? Non! Il a tué ma bébête. Attends, il avait damage tout. C'est vilain. Ma bébête, t'avais rien fait. Bon, il va falloir que je l'entraîne de toute façon. Hop. J'aurais dû mettre la zone de... Je sais pas si je peux, si ça fonctionne, si je mets la zone de soin sur ma bébête. Est-ce que ça la soigne? Faudra que je fasse le test. Hop. Est-ce que je peux ouvrir ce coffre sous l'eau? Oui, merci. Bon, toutes les choses sont noyées dedans, mais c'est pas grave. Hop.
Alors oui, j'attends toujours donc du coup la réponse de Chucklefish pour l'instance Amodée entre guillemets du jeu dans Steam. Je sais pas si ça va être possible, hein, c'est juste une question que j'ai posée pour savoir si c'était réalisable ou pas. Parce que c'est vrai que je voudrais pas en fait gâcher cette partie. Cette partie Vanilla. La garder sous le coude en fait, faire du modé, et puis quand il y a une mise à jour, en fait, revenir sur la partie normale, la partie vanilla, et voir si je peux ou non. Vas-y, sors! Voilà! Crac! Si je peux ou non, en fait, avoir un moi. C'est une spire! Je suis étonné de sa forme. Pourquoi pas, mais je suis étonné de sa forme. Pourquoi pas donc jongler entre les deux parties et essayer de trouver un juste milieu qui soit intéressant entre ces deux modes de jeu, enfin ces deux façons de jouer plutôt. Il me semble avoir fait le tour. Je vais vérifier là-haut, mais si c'est vide, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour, ok. On remonte. On va aller soigner notre bestiole, on va dire. Et on va essayer de placer un sort de soin sur cette bestiole. Pour voir si ça marche. Ça m'intrigue. Ça m'intrigue. On va essayer de trouver aussi une planète qui soit peut-être un peu plus adéquate. Pour l'entraînement, si je puis dire. Potentiellement, peut-être une planète d'un autre niveau. On va aller sur une Frozen. J'aurais pas allé sur une planète minuit. Pas sur une océan non plus. Voilà, c'est déjà un peu mieux. Alors je ne perds plus du tout de carburant quand je saute. Je crois que j'ai passé tellement de temps dans le vaisseau qu'en fait, à force de réduire, on est tombé à un truc tout petit. Et je dois être à même pas 1%, ou j'imagine un truc comme ça. En tout cas, je n'utilise plus de carburant, comme vous pouvez le voir, et je suis pas en admin, hein, donc c'est bizarre. Ah. D'accord, c'est un. Ok. C'est pas comme ça que je l'imaginais. Ok. Tout ça, il faut le ranger. Bon, j'ai beaucoup de bordel sur moi. Hein. Faut reconnaître que là, pour le coup, j'en ai énormément. J'en garde toujours un, vous savez, par principe, pour. M'assurer que ça ne va pas prendre une place supplémentaire et d'avoir déjà la place sur moi, vous savez. Mais bon. Hop, allez, on va entraîner notre Pokémon. Le montage se passe bien, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Notre Pokémon, il va s'entraîner. Mais alors où? Alors lui, c'est pas un vilain. D'accord. Du coup, lui non plus. La taupe. C'est pas un vilain, sauf dans Atlantide. Dans Atlantide, c'est un vilain. Oh, des shurikens. Oh là. Il y a trop de vilains. Ben, je crois que ça le heal. Surtout que personne n'attaque en fait, mais bon. Donc là, il se prend des dégâts. Voilà. Il l'a bouffé. Si je fais un clic droit. Putain, ça le soigne! Oh, je peux faire une zone de combat, entre guillemets, d'entraînement. Oh, merde, mais t'es con! Hop. Pour entraîner mon Pokémon. Ok, c'est cool. Je sais pas s'il se passe un truc quand il level up. S'il y a une animation. On va bien voir. Ah, pas forcément s'il n'y a plus de monstres aussi. C'est pas rigolo. Ce qui va pas bouffer que des triggers non plus, hein, le machin. Que des critters, pardon. Ah, tiens, il n'y a rien dans le coffre.
Je suis vexé. Je suis car... j'ai peur qu'il soit trop balèze. Ce n'est jamais trop balèze. Il l'a bouffé. Ça n'a pas été simple, mais il l'a bouffé. Est-ce que c'est de la régène normale ou est-ce que c'est... Non, non, c'est quand il rentre dans le truc. C'est quand il rentre dans le truc, c'est bon. Ok. Euh... 73-80, on faudra s'en rappeler. J'espère qu'à chaque fois que je rentre, il reste pas. Enfin, il... Enfin, vous voyez, quoi. Parce que bon, j'aurais l'air malin. Hein. Ah, je vais leveler le truc. Sauf que à chaque fois, en fait, il reset son expérience. Ok. Oh, il va crever. Les deux sont morts? Merde. Les deux sont morts, fais chier. Et je pense qu'à chaque fois qu'il crève, il est remis à zéro. J'aurais pas dû le jeter dessus. Bon, faudra que je me renseigne sur ça. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est intéressant, dis-moi. Des fantômes chats! Ok, ça c'est fait. Hop. Hop. Par là, il y a un passage. Par là, il y a une crotte. Par là, il y a des choses. J'ai tout cassé exprès. Je l'avoue, c'est ma faute. Hop. Il n'y avait rien d'intéressant. Rien d'intéressant du tout. Bon, bah écoute. Pourquoi je devrais m'embêter? Ouh. En dessous, par contre, c'est un... J'ai déjà passé par là. Hein. Pourquoi t'es là que maintenant? Aïe, c'est chaud. Avant de mourir, on va peut-être se souhaiter... Il m'a vu? Ah non, je crois qu'il m'avait vu de loin. Précision 0. Putain, j'ai pas vu la lave, je viens de me soigner contre ça. Quel abruti. J'ai toujours pas d'eau sur moi d'ailleurs au passage. Bah non, pourquoi en avoir? Non, c'est clic droit que je voulais faire. Merci. Et j'ai bouffé mon bol de riz parce que fuck it. Mes soins.
Thank you.
Ok, alors bizarrement mon micro s'est réinitialisé. Alors bizarrement mon micro s'est réinitialisé, alors faut que je vais aller voir où en est le. Putain, heureusement que je regarde. Je vais aller voir où en est le shoot. Je reviens tout de suite, chers amis. Re, chers amis, alors apparemment c'est quand j'ai bourré le micro, j'ai dû débrancher légèrement le câble et ça reste tout le truc. Bon, c'est pas grave, ça fait juste 10 minutes de vidéo que je parle dans le vide. C'est cool. Ah non, pas. Ah non, reprenez pas avec ça. Reprenez pas avec ça. Voilà. Meurs, charogne. Meurs, charogne. Il y avait un coffre là. Il y avait un coffre. Je suis full. Je suis full. Je suis full de voul, mais voul. Ok, bref. Hop. Un petit peu d'or là-bas, je crois. Vérifions si je me trompe ou pas. Du cuivre. Oui, je me trompe. Ah, il y a un. Oh, enfin bon, des floranes, moi. Hein, vous savez que je les aime pas. Hop. Florane, je passe. Ok. Bon. Ah, tiens. En plus, c'est un biome swamp. Swamp hat. On va le récupérer. Ah, on a le l'azmat. Cool. Faudrait qu'on le récupère aussi. Je vais virer la spear, la fameuse spear. Ok. Et on tombe sur des frog merchant. Donc lui, il n'est pas marchand, forcément. Je dis ça, donc du coup, je me fais forcément rect 10 secondes plus tard par le jeu qui me dit nope. Nope, Marcus, ce n'est pas un marchand. Ok. En tout cas, j'aimerais vraiment avoir une réponse rapide de Chucklefish pour avoir ma. Si possible, mon instance amodée, entre guillemets. Je pense que vu le nombre de vidéos que j'ai fait, ils me doivent bien ça, si je puis dire. Ce serait vraiment sympa de leur part. Mais bon, comme oui, bah, remarque, ils ont fait un Steam Work, donc. Enfin, un Steam Workshop. Du coup, s'ils ont ce partenariat, entre guillemets, avec Steam. Je pense qu'ils pourraient bien quand même en faire profiter un petit peu leurs joueurs, surtout leurs streamers et youtubeurs. Pour qu'on puisse un petit peu profiter de toutes ces fonctionnalités tout en gardant le comment le. Ou alors qui régule tout leur. Bah non, même pas parce que les packs d'objets vont disparaître, etc. etc. Donc non, 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 faut vraiment qu'il y ait une instance qui soit dédiée. Parce que je suis allé sur le Nexus Mod Manager, chers amis, mais ils sont vraiment pas bons les mods, hein. Ils sont vraiment pas à jour ni rien. Ah, tiens, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu, cette arme-là. Je te mets à la place de quoi? À la place de ce Smoothie Gun tout moisi. Que j'avais récupéré. Pour l'entraînement. Hop. Voilà. Non. Voilà, t'es mort. Bon, par contre, cette planète est gigantesque, hein, c'est cool, mais il n'y a rien dedans. Il n'y a strictement rien dedans. Salut les filles. Hop. Ah, lag. Bon. Ah, bla, ah, bla, ah, je suis coincé. Voilà, c'est bon. Et on retourne dans le biome neige. Ok. Il y avait un pic juste là. Merci. Hop, je libère tout ça. Pour y trouver que des choses que je n'utiliserai jamais. C'est cool. Merci le jeu. Parce que j'ai pas envie de me mettre à la construction maintenant, finalement. Surtout que j'aimerais bien en fait le faire sur un serveur. Et comme j'ai pas encore de serveur. J'ai pas de nouveau un serveur plutôt. Ça m'embête. Le problème, c'est que je voudrais un serveur qui soit vraiment de qualité. Et le problème, c'est que les gens répondent pas pour les comparatifs. C'est chiant. Je peux vous dire que c'est chiant, chers amis. Bon. Avant de mourir bêtement. J'ai fait clic droit, j'aurais dû faire clic gauche.
Tant pis. J'ai dit qu'avant de mourir bêtement, il fallait que je me soigne. Donc voilà, je me soigne. Hop. C'est bête que ça fasse pas fondre la neige. Hashtag physique, quoi. Enfin bon, c'est pas grave. Ah! Ce machin, cette boîte bug à l'ouverture. C'est bon. Que des pixels, c'est cool. Merci. Merci, merci. Hop. Et il est possible qu'on ait fait le tour. Je ne sais plus. Non, pas encore. Putain, elle est longue. C'est ce qu'elles me disent souvent. Putain, elle est longue. Désolé, ça sort tout seul, ce genre de conneries. Hein. Je suis vraiment désolé, chers amis. Hein. Mais je sais que vous aimez ça, mais je suis désolé quand même. Parce que c'est ce qu'elles me disent. Non, non, non. Faut pas qu'on parle de ça. Je voudrais pas vous mettre mal à l'aise. Voilà, c'est tout. Encore un coffre. Cette planète n'en finira donc jamais. Hein. Tout comme cet épisode d'ailleurs. Je dois pas être moins de 35 minutes déjà de base, donc un peu plus de 35 minutes. Donc, aïe. Alors, oui, ce serait bête de mourir. Ah! Ça par contre, ça me dit vaguement quelque chose. Ça moins, mais tout ça, ça me dit vaguement quelque chose. Ouais, même le pont. Non, je pense qu'on est bon. Oui, on est bon. On est bon. On peut remonter, chers amis. Ça y est. Hop. Raté. Bon, eh bien, écoutez, chers amis, du coup, on a fait un petit peu d'exploration dans cet épisode. Je pense que je vais en tourner un deuxième, mais je sais pas encore trop sur quoi. Je voudrais pas faire trop d'exploration pour l'exploration, donc je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Peut-être que je vais regarder vite fait sur internet les choses sympas qu'on peut faire dans le jeu en endgame, qui soient un petit peu en dehors des clous, si je puis dire. Mais d'abord, je vais ranger mon inventaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yop!